Bettner-Alpes est un domaine skiable très apprécié. Chaque saison hivernale, environ 1,5 million de visiteurs passent leurs vacances dans ce village du Valais perché à 1933 mètres d'altitude. Le téléphérique de la société des remontées mécaniques Bettner-Alpes-Bahnen est le cordon ombilical du lieu de villégiature. Il assure le transport des skieurs, des randonneurs et des locaux car Bettner-Alpes est interdite aux voitures. Les produits comme les denrées alimentaires, le fioul domestique y sont également acheminés depuis la vallée, les déchets étant redescendus. Une défaillance de ce téléphérique isolerait Bettner-Alpes de la vallée. Afin que cela ne se produise pas, la technique d'entraînement et de commande du téléphérique, construit en 1974, a été modernisée. C'est la société Sisak Dahldorf qui fut mandatée à cet effet. L'entreprise est l'un des constructeurs de commandes pour téléphériques les plus réputés de Suisse. Beat Bossi, directeur technique chez Sisak, a assuré la conduite du projet. Ein wesentlicher Unterschied zu Antriebssteuerungen in industriellen Anwendungen sind die hohen Ansprüche an die Personensicherheit. Diese gewährleisten wir unter anderem mit dem Einsatz der fehlersicheren Simatic-Steuerungen von Siemens. Diese Sicherheit bestätigen wir dem Kunden sogar per Zertifikat. Dès la passation de commande, nous avons travaillé à plein régime à Altdorf. En quelques semaines, les appareillages ont été installés dans les armoires électriques. L'installation a été au préalable testée dans l'usine de Sisak. La sécurité constitue l'alpha et l'oméga d'un téléphérique assurant le transport de personnes. La cabine affichant un poids de plusieurs tonnes doit être freinée en temps utile avant les stations. Cela constitue un défi majeur sur le plan technique. Die fehlersichere, also sich selbst überwachende Simatic-Steuerung kontrolliert den Sollwert und die effektive Geschwindigkeit der Kabinen mit Hilfe diverser Sensoren. Fährt die Kabine zu schnell, leitet die Steuerung die Bremsung ein. Wird die Kabine nicht langsamer, weil beispielsweise etwas defekt ist, aktiviert die Steuerung sofort die Sicherheitsbremse. En cas de freinage d'urgence, la commande de sécurité déclenche également une procédure de freinage et la surveille. À cet effet, on utilise un système à distance inductif dont la fonction est contrôlée. Si la vitesse diminue trop lentement, le frein suivant est immédiatement activé. Wir sind mit der neuen Lösung sehr zufrieden. Unsere Seilbahn ist nicht nur mit modernster Technik ausgerüstet, sondern entspricht auch den aktuellsten Sicherheitsrichtlinien und Normen. So sind wir praktisch doppelt abgesichert. Zudem ist der neu eingesetzte Asynchronmotor mit Frequenzumrichter rund 25% energieeffizienter. Au cours des prochaines années, le téléphérique continuera à assurer en toute fiabilité le transport de millions de personnes et de produits vers Bettner-Alpes.